La conférence était très très intéressante. Je pense qu'on a eu des échanges très très intéressants et très fructueux. Donc le niveau des discussions était très élevé. Donc je vois bien que le sujet avait énormément déjà suscité des débats. Et je vois que les questions sont importantes pour le pays. Alors après la conférence, je vois qu'il y a énormément de travaux qui sont déjà en cours pour approfondir dans le domaine de l'économie de santé, pour étudier les questions plus avant sur les médicaments. Donc il y a vraiment des défis qui attendent le Maroc pour pouvoir avoir un accès plus grand aux innovations au niveau des médicaments et de maîtriser les coûts aussi. Donc je pense que la pré-conférence va être vraiment de pouvoir intégrer dans les systèmes de processus de décision les différents aspects pharmaco-économiques. Et on a parlé de formation. La formation aussi dans cette discipline est aussi importante. Alors là c'est une question importante parce que la chose importante, c'est que les décideurs doivent pouvoir aussi intégrer et comprendre les analyses économiques, et le décideur doit pouvoir dire au niveau politique on va rembourser tel ou tel médicament. Et donc c'est à ce moment-là que l'accès à l'innovation qui se fait dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire à un prix raisonnable, qui est un prix juste pour l'innovation, c'est à ce moment-là qu'il y a une différence pour le patient et que le patient peut avoir vraiment accès à ces médicaments-là. Ah, vous voulez une date? Oui, non, ça j'aurais du mal à vous le dire, mais il y a une vraie dynamique. On a entendu le secrétaire général en 2019, en tout cas, déjà, le directeur de l'AMM s'est rendu compte qu'il pourrait offrir en effet un avis sur le remboursement des médicaments directement avec la mise sur le marché. Donc ça va accélérer les choses en termes d'accès aux médicaments dès 2019, tout à fait. Un reste à charge qui ne cesse d'augmenter. Il est passé de 26% de cette conférence débat vient un moment où notre système de santé, et plus particulièrement la couverture médicale de base, devant des défis majeurs, à savoir l'extension de la couverture médicale de base aux travailleurs actifs non salariés, mais aussi le deuxième défi, c'est l'offre de soins qui est aujourd'hui marquée par un reste à charge assez important, mais aussi le troisième défi majeur, c'est le financement dans notre système de couverture médicale de base. Et cette conférence débat aujourd'hui, comme parlant de l'économie de santé, elle permet en quelque sorte de partager entre les différents acteurs et différentes parties concernées par le système de santé à débattre et sortir avec des conclusions pour un meilleur financement de notre système de santé, pour permettre bien évidemment l'accès à la population à des soins de qualité, tout en préservant bien évidemment l'équilibre budgétaire des caisses d'assurance maladie ou de financement de l'État en matière générale. Et ça, on ne peut que remercier la Chambre de commerce britannique pour cette initiative. Et comme j'ai dit, c'est aujourd'hui une thématique d'actualité et qui vient à un moment crucial pour notre pays.